Mardi 14 juillet 2020, bonjour tout le monde. Bienvenue dans Chronique Haïti 360 sous Asian Public Media pour journée aujourd'hui. Qui ça cap dominer Haïti pour journée aujourd'hui? Eh bien, nous parlons tout droit dans ce qui vient pour la question COVID-19 dans le pays. Fondi AS, c'est tout MSPP qui était mobilisé pour une conférence sur l'évolution de la pandémie COVID-19 dans le pays. Et bien, Fondi, situation COVID-19 dans le pays, il y a 15146 cas qui suspectent, 6727 cas confirmés, 141 moun moun, ça veut dire 2 moun en plus moun, à 3022 moun traités. Et bien, ministre de Santé, qui est docteur Marie-Greta Roy Clément, et bien, elle fait connaître MSPP a travaillé pour essayer de décentraliser la question de dépistage dans le pays. Et puis, elle fait connaître dans ce qui est pour à comment il y a géré COVID-19 dans le pays. Il y a bien travaillé parce qu'il y a 28 institutions sanitaires qui travaillent dans le domaine ça et il y a 1300 cabanes. Et dans 1300 cabanes, il y a 14% seulement qui occupé. Il fait connaître le pays d'Haïti, le troisième dans la région. Et puis, dans ce qui est pour avec le monde, nous 85e. Pour le docteur Laure Adrien, qui est directeur général MSPP, il fait connaître bonbon oxygène, c'est un bagage qui est important. En pile dans ce qui est pour la question COVID-19 dans tout le pays. Il fait connaître les gens qui ont des problèmes respiratoires, désormais le pays a produit propre oxygène par lui. Le pays a disposé de 21 générateurs d'oxygène. Il fait connaître 16 dans eux, c'est l'agent de l'État qui a acheté eux. Il y a 4 dans eux, c'est le fonds secteur privé. Il fait connaître les gens qui sont disponibles dans le centre de gestion. Mais le fait qu'on est tout, il y a une quantité de générateurs d'oxygène qui déjà là, il y a recevoir le Dieu dans environ 17 juillet qui est venu là pour payer un propre générateur pâle. Docteur Patrick Deli, qui est directeur épidémiologique là, dans le pays, eh bien, il dit que le pays a plus ouvert 7, mais il faut que nous pas de vague dans la question de respecter les principes. Il fait connaître dans le moment le pays a l'ouvrir même pour nous faire plus d'efforts pour nous respecter les principes et doubler l'effort même parce que la deuxième vague pandémie capitrice. Pour le directeur départemental de l'Ouest, dans ce qui est pour la question de la santé, Dr. Benesh Martial, il mettait l'accent lui-même sur les frontières. Il dit yo pral renforcer mezi qui gen pour la question frontière parce que li estime dans moment ça au pays voisin bagay yo augmenter en pile et ben il fait connait en pile moun ap sorti dans République Dominicaine pour rentrer dans pays a c'est peut-être ça pral gen test automatique ka fait pour moun kap entre yo et yo pral mettre accent sur tout moun qui entre dans pays a. Mais fondi non visite nous te fait dans majorité l'église qui était rouvri dans pays a hier qui était dimanche 12 juillet et ben fondi gen en pile l'église nous te visité principe hygiène nous te respecté distance là te respecté et en pile fidèle te porté masque et spécialiste dans affaires maladie transmissible docteur Hans Noël li fait connait ka augmentation nan question importé l'édilité atanya ça li dit ka importé augmenté en pile li dit c'est normal parce que majorité vol nan jeunyou 85% nan yo passé par Miami. Eh ben l'autre dossier nan sa ki gen pouwe avec question bandi nan pays a et ben fondi ti bébé 8 mois ça qui c'est Meridia Fleurmont qui mouri en bas bal bandi dans cité soleil et ben n'a fait connait parents ti petit ça c'est démen en tête que par contre qui c'est pour reler et parents ti petit ça 8 mois Meridina Fleurmont et ben li mouri en bas pal et ben parents ti petit ça li dit merci ak chef gang Iska qui tout monde longe droit que sous li fait connait c'est li qui la cause ti bébé 8 mois ça mouri ak
G9 et yo di merci tout avec président Jovenel Moïse. Pasteur Enoch Joseph qui c'est un notable dans zone Cité Soleil la fait connait c'est parce que l'état pas présent qui fait tout bagaille ça a produit dans zone ça il fait connait c'est depuis quelque temps zone Cité Soleil là depuis passer là il est difficile pour pas prendre balle c'est goumé tout côté jeune qui t'a loué l'école la question université la question l'école professionnelle et ben ces âmes qui dans main yo a frappé mon athée NDDH qui gagne à la tête li Pierre Espérance li fait connait li même équipe li a pral mener enquête sur question sac qui vient dans Cité Soleil là il fait connait c'est parce que pouvoir toujours a sitire bandi c'est ça qui gagne pour avec bandi seulement pouvoir régler mais c'est ça qui fait tout le monde dans pays a sibi ça bandi a fait dans pays. Et bien, Fandi Jerebel d'Oxina, qui est un membre de CNDDN, il fait connaître c'est à cause de laisser frapper qui gagne un coup bandit dans Cité Soleil qui permet ça arriver. La question de sac dans Genève, avec sac pas dans Genève. Et bien, il fait connaître lui-même tout équipe li pour mener enquête pour connaître qui ça qui arrive, petit bébé 8 mois et comment ça arrive. Antonal Motimedil inquiété en pile, il fait partie d'un responsable co défense plus yon pays. Il fait connait pour Jean Bandi, Aptaye Banda, il inquiété en pile pour pays. Il dit saisi ouais pour c'est comme ça pour autorité dans pays silence sans yo pas fait rien pour quoi pivot. Fandi malgré tout levé campé qui gagne des nouveaux ministres, nouveaux présidents et de nouveau directeur IDH là qui c'est Michel Présumé et ben Fondi ministre intérieur Joaseus Nader li installé Michel Présumé dans tête IDH et Fondi tout Michel Présumé li fait connait li pas vinn privatiser IDH li fait connait tout premier bagage la bien pour faire c'est chita avec syndicat institution ça et ben ça pas empêcher dans même journée tout syndicat li sauté manifester pour toujours dire non avec Michel Présumé qui c'est nouveau directeur IDH d'après yo Michel Présumé habité gagoter l'argent l'état déjà et ben fond dit c'est plusieurs côtés l'obay pété depuis après président fin nommé moun nan tête mairie et ben fond dit dans commune Tabassé toujours gros déblousaille qui pété pour dire non avec Ni Simon que tout le monde connaît Anne qui reconduit dans tête mairie Tabar mais font dit c'est caoutchouc qui a boulé zam a pété pas si pas là dans tout Tabar ben pour dire non avec Anne qui tout le monde connaît sous bon nom qui c'est Ni Simon yo pas voulu retourner dans tête mairie parti politique petite Dessalines et ben dénoncer une série gros mais invisible politique économique cap saccager pays cap financer mouvement zak bandio a fait dans pays yon façon pour ka kembe pouvoir politique yo ak économique yo ancien sénateur Moïse Jean-Charles fait connait si nous pas lever camp si nous pas dire non avec pouvoir ça dans 6 mois qu'a venir là bagay yo pral pi grave li dit li kon di nous déjà pour demander ki zeb bet yo manje ki pa bay vote fait mal parce que nan jou ka vini yo gen moun si zeb yo pral manje c'est là nous mettez bout à konik Haïti 360 pour journée jodi a pour présenter le c'était Nathan Setange depuis Haïti pour Haitian Public Media.